C'était au mois de juin que je le vis pour la première fois. Il marchait dans le champ de blé quand je passais avec mes servantes. Il était seul. Le rythme de son pas était différent de celui des autres hommes. Et le mouvement de son corps ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu auparavant. Les hommes ne foulent pas le sol de cette manière. Et aujourd'hui encore, j'ignore s'il marchait vite ou lentement. Mes servantes le montrèrent du doigt et murmurèrent entre elles des mots timides. Je ralentis un court instant et levai ma main pour le saluer. Mais il ne tourna pas la tête et ne me regarda pas. Et je le détestais. J'étais meurtrie et aussi froide que si je m'étais trouvée en pleine tempête de neige. Je frissonnais. Cette nuit-là, je l'ai vu dans mon rêve. On m'a dit par la suite que j'avais eu un sommeil agité et que j'avais crié. C'est en août que je l'ai revu, par ma fenêtre. Il était assis à l'ombre d'un cyprès de l'autre côté de mon jardin. Il était aussi immobile que s'il avait été sculpté dans la pierre, comme les statues d'Antioche et d'autres cités du pays du Nord. Mon esclave, l'Égyptienne, vint à moi et me dit « Cet homme est encore là. Il est assis dans votre jardin. » Je l'ai longuement regardé et mon âme a frémi devant sa beauté. Son corps était un et chaque partie semblait aimer toutes les autres. Je revêtis des parures de Damas et quittai ma maison pour aller à sa rencontre. Était-ce ma solitude ou bien son parfum qui m'attirait vers lui? Était-ce un appétit dans mes yeux qui le rendait désirable, ou sa beauté qui voyait la lumière dans mes yeux? Aujourd'hui encore, je l'ignore. Je marchais vers lui dans mes habits parfumés et mes sandales dorées, celles-là même que le capitaine romain m'avait offerte. Arrivé à sa hauteur, je lui dis « Bonjour ». Et il me répondit « Bonjour, Myriam. » Il m'a regardé, et ses yeux envahis par la nuit m'ont vu comme aucun homme ne m'avait jamais vu. Et soudain, c'était comme si j'étais nue, et je me sentis intimidée. Mais il a seulement dit « Bonjour à toi. » Je lui ai demandé « Ne veux-tu pas venir dans ma demeure ?» Il m'a répondu « Ne suis-je pas déjà chez toi ?» Je n'ai pas compris sur l'instant ce qu'il voulait dire, mais je sais à présent. Je lui ai dit « Veux-tu partager le vin et le pain avec moi ?» Et il a répondu « Oui, Myriam, mais pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. » La voix de la mer, du vent et des arbres grondait dans ces deux mots. Quand il me les a adressés, la vie parlait à la mort. Car sache, mon ami, que j'étais morte. J'étais une femme qui avait divorcé de son âme. Je vivais hors de cet être que vous voyez maintenant. J'appartenais à tous les hommes et à aucun. Ils me taxaient de fille de joie et de femme possédée par les sept démons. J'étais maudite et enviée. Mais
quand ses yeux où pointait l'aube regardèrent dans les miens. Toutes les étoiles de la nuit s'évanouirent en moi, et je devins Myriam, juste Myriam, une femme perdue pour la terre qu'elle avait connue et qui se retrouvait dans un nouvel endroit. Une fois encore, je lui demandais « Veux-tu venir dans ma demeure, partager le pain et le vin avec moi ?» Il me répondit « Pourquoi m'enjoins-tu à être ton hôte ?» Et je lui dis « Je te supplie d'entrer chez moi. Tout ce qui relevait du ciel et de la terre me poussait à l'implorer. » Puis il me regarda et je vis sur moi le zénith de ses yeux. Il me dit « Tu as de nombreux amants et pourtant moi seul t'aime. Les autres hommes satisfont leur amour propre à tes côtés. Je t'aime dans ton être. Les autres hommes voient une beauté en toi qui fanera plus vite que leur jeunesse. Mais je vois en toi une beauté qui ne flétrira jamais. Et à l'automne de ta vie, cette beauté ne redoutera pas de se regarder dans un miroir. Elle ne sera pas outragée. Moi seule aime ce qui est invisible en toi. » Il ajouta à voix basse, « Pars à présent. Si ceci prêt t'appartient et que tu ne veux pas que je m'assoie à son ombre, je passerai mon chemin. » Je m'écriai, « Maître, viens chez moi. J'ai de l'encens que je brûlerai pour toi et une cuvette d'argent pour tes pieds. Tu es un étranger et pourtant tu ne m'es pas inconnu. Je t'en supplie. Viens dans ma demeure. » Alors il se leva, et ses yeux se posèrent sur moi comme les saisons dominent les champs du regard. Et il sourit. Il me dit à nouveau, « Tous les hommes t'aiment pour eux. Je t'aime pour toi. » Et il s'éloigna. Mais jamais homme n'a marché comme lui. Était-ce un souffle né dans mon jardin qui allait vers l'est? Ou bien un orage qui ébranlerait toutes choses jusque dans leurs racines? Je l'ignorais. Mais ce jour-là, je vis le soleil se coucher dans ses yeux pour terrasser en moi le dragon. Et je devins une femme. Je devins Myriam, Myriam de Magdala. Jésus méprisait et dédaignait les hypocrites, et son courroux était pareil à une tempête qui les flagellait. Sa voix grondait comme le tonnerre dans leurs oreilles, et ils le redoutaient. Dans la peur qu'il leur inspirait, ils complotèrent sa mort, et comme des taupes dans la terre obscure, ils s'employaient à miner le terrain sous ses pas. Mais il ne tomba pas dans leur piège. Ils se riaient d'eux, car ils savaient bien qu'on ne peut se moquer de l'esprit, pas plus qu'on ne peut l'entraîner dans la fosse. Il prenait un miroir dans la main, et dedans il voyait l'oisif, le boiteux et ceux qui titubent et tombent sur leur route vers le sommet. Et il avait pitié de tous. Il aurait voulu les élever jusqu'à lui et porter leur fardeau. Oui, il aurait voulu demander à leur faiblesse de s'appuyer sur sa force. Il ne condamnait pas ostensiblement le menteur, le voleur ou l'assassin.
mais il condamnait ouvertement l'hypocrite dont le visage est masqué et la main gantée. J'ai souvent réfléchi sur le cœur qui abrite tous ceux qui viennent du désert vers le sanctuaire, mais qui est fermé et scellé à l'hypocrite. Un jour que nous nous reposions avec lui dans le jardin des grenadiers, je lui dis « Maître, tu pardonnes et réconfortes le pécheur, ceux qui sont faibles et infirmes, à l'exception des seuls hypocrites. » Il répondit « Tu as bien choisi tes mots quand tu as appelé les pécheurs faibles et infirmes. Je pardonne leur faiblesse de corps et leur infirmité d'esprit, car leurs défauts leur ont été transmis par leurs ancêtres ou par la cupidité de leurs voisins. Mais je ne tolère pas l'hypocrite, parce qu'il pose un joug sur les êtres simples et bons. Les chétifs, que tu appelles pécheurs, sont comme les oisillons des plumées qui sont tombés du nid. L'hypocrite est le vautour qui attend sur un rocher la mort de sa proie. Ces êtres chétifs sont des hommes perdus dans le désert. Or, l'hypocrite n'est pas perdu. Il connaît le chemin, mais il se rit entre le sable et le vent. C'est pour cette raison que je ne le reçois pas. » Un jour de moisson, Jésus nous appela ainsi que ses autres amis sur les collines. La terre était parfumée, et comme la fille d'un roi le jour de ses noces, elle arborait tous ses bijoux. Le ciel était son fiancé. Quand nous parvînmes au sommet, Jésus s'arrêta dans le bosquet de lauriers et dit « Reposez-vous ici, calmez votre esprit et purifiez votre cœur, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. » Alors nous nous étendîmes sur l'herbe jonchée des fleurs de l'été, et Jésus s'assit parmi nous. Il dit « Bénis soient les calmes d'esprit. Bénis soient ceux qui ne possèdent aucun bien, car ils sont libres. Bénis soient ceux qui se rappellent leur souffrance et qui, dans la souffrance, attendent leur joie. Bénis soient ceux qui ont faim de vérité et de beauté, car leur faim leur apportera du pain et leur soif de l'eau fraîche. Bénis soient les bons, car ils seront consolés par leur propre bonté. Bénis soient ceux dont le cœur est pur, car ils ne feront qu'un avec Dieu. Bénis soient les miséricordieux, car ils recevront leur lot de miséricorde. Bénis soient les pacifiques, car leur esprit flottera au-dessus de la bataille, et ils transformeront le charnier en jardin. Bénis soient ceux qui sont pourchassés, car ils seront véloces et ailés. Réjouissez-vous et soyez heureux, car vous avez trouvé le royaume des cieux en vous-même. Les chantres d'antan étaient persécutés quand ils chantaient ce royaume. Vous aussi vous serez persécutés, et c'est là que réside votre honneur et votre récompense. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perdait de sa saveur, avec quoi salerait-on la nourriture du cœur de l'homme? Vous êtes la lumière du monde. Ne mettez pas cette lumière sous le boisseau. Laissez-la plutôt briller depuis le sommet vers ceux qui cherchent la cité de Dieu. Ne pensez pas que je sois venu détruire les lois des scribes et des pharisiens, car mes jours parmi vous sont comptés, et mes mots aussi,
et je n'ai que quelques heures pour accomplir une autre loi et révéler une nouvelle alliance. On vous a dit de ne pas tuer, mais je vous dis de ne pas céder à la colère sans raison. Les anciens vous ont ordonné d'apporter votre veau, votre agneau et votre colombe au temple et de les sacrifier sur l'autel, pour que les narines de Dieu se repaissent de l'odeur de leur graisse et qu'ils pardonnent vos offenses. Mais je vous le demande, allez-vous donner à Dieu ce qui lui appartient depuis le commencement? Et entendez-vous apaiser celui dont le trône se dresse au-dessus des profondeurs silencieuses et dont les bras enserrent l'univers? Cherchez plutôt votre frère et réconciliez-vous avec lui avant de partir à la recherche du temple et aimez votre prochain. Car dans leur âme, Dieu a érigé un temple qui ne sera pas détruit, et dans leur cœur, il a dressé un autel qui ne périra jamais. On vous a dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous dis de ne pas résister au mal, au risque de le nourrir et de le renforcer. Seuls les faibles se vengent. Les forts dans l'âme pardonnent, car c'est l'honneur de l'offensé que de pardonner. Seul l'arbre chargé de fruits est secoué ou gaulé. Ne vous souciez pas du lendemain, mais admirez plutôt aujourd'hui, car à chaque jour suffit son miracle. Ne vous souciez pas trop de vous-même quand vous donnez, mais souciez-vous de ce qu'il faut donner. Car celui qui donne reçoit lui-même du Père en plus grande abondance. Donnez à chacun selon ses besoins, car le Père ne donne pas de sel à l'assoiffé, ni de pierre à celui qui a faim, ni de lait à celui qui est sevré. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant des pourceaux. Car avec de tels présents, vous vous moquez d'eux, et ils se moqueront aussi de votre don. Et dans leur haine, ils vous détruiraient volontiers. N'amassez pas pour vous-même de ces trésors qui corrompent ou attirent les voleurs. Amassez plutôt un trésor qui ne pourrait être ni corrompu, ni dérobé, et dont la beauté augmente plus les yeux sont nombreux pour le contempler. Car là où se trouve votre trésor, se trouve aussi votre cœur. On vous a dit que l'assassin doit être passé par l'épée, que le voleur doit être crucifié et que la prostituée doit être lapidée. Mais je vous dis que vous n'êtes pas innocent des méfaits de l'assassin, du voleur et de la prostituée, et quand ils sont punis dans leur corps, votre âme s'en trouve assombrie. En vérité, aucun crime n'est commis par un seul homme ou une seule femme. Tout crime est commis par tous. Et celui qui purge sa peine peut peut-être rompre un anneau dans la chaîne qui pend à vos chevilles. Sans doute paie-t-il de sa tristesse le prix de votre joie éphémère. Ainsi parla Jésus, et j'avais envie de me prosterner et de le vénérer, mais paralysé par ma timidité, je ne pouvais ni bouger ni prononcer un mot. Je finis toutefois par parler et dire : je voudrais prier en ce moment, mais ma langue est lourde. Apprends-moi à prier. Et Jésus répondit, quand vous voulez prier, que votre ardeur prononce les mots. En cet instant, mon ardeur m'incite à prier ainsi.
Notre Père, qui es sur terre et aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous de ton pain pour ce jour. Dans ta compassion, pardonne-nous et apprends-nous à nous pardonner mutuellement. Guide-nous vers toi et tends-nous la main dans les ténèbres, car ce royaume t'appartient et en toi réside notre pouvoir et notre accomplissement. Il faisait nuit à présent. Jésus redescendit les collines et nous le suivîmes tous. Et en marchant, je répétais sa prière et me rappelais tout ce qu'il avait dit. Car je savais que les mots tombés comme des flocons de neige ce jour-là devaient cristalliser et que les ailes qui avaient voleté au-dessus de nos têtes allaient frapper la terre comme des sabots de fer. Vous avez remarqué que certains d'entre nous appellent Jésus le Christ, d'autres le Verbe, d'autres encore le Nazaréen et d'autres enfin le Fils de l'homme. Je vais essayer de clarifier ces appellations à la lumière de ce qui m'est donné. Le Christ, celui qui vivait dans la nuit des temps, est le souffle de Dieu qui habite dans l'esprit de l'homme. Il est le souffle qui nous visite et se donne un corps à notre image. Il est la volonté du Seigneur. Il est le premier mot qui parlera avec notre voix et vivra dans nos oreilles afin que nous puissions écouter et comprendre. Le Verbe du Seigneur notre Dieu a bâti une demeure de chair et d'os. Et il a été un homme comme vous et moi. Car nous ne pouvions entendre le chant du vent désincarné, ni voir notre moi suprême marcher dans la brume. Le Christ est venu plusieurs fois en ce monde, et il a parcouru bien des terres. Toujours il a été considéré comme un étranger et un fou. Pourtant, l'écho de sa voix ne s'est jamais perdu dans le vide, car la mémoire de l'homme conserve ce que son esprit ne se soucie pas de conserver. Celui-là est le Christ, l'invisible et le Très-Haut, qui accompagne l'homme vers l'éternité. N'avez-vous pas entendu parler de lui à la croisée des routes des Indes, dans le pays des mages et sur les sables d'Égypte? Ici, dans votre pays du Nord, les bardes d'antan ont chanté Prométhée, le portefeu à travers qui l'homme a pu réaliser ses désirs et libérer ses espoirs enchaînés, et Orphée, qui est venu avec une voix et une lyre insuffler l'esprit chez la bête et l'homme. Et ne connaissez-vous pas le roi Mithra et Zoroastre, le prophète des Perses, qui se sont réveillés du sommeil originel de l'homme et se sont tenus au chevet de nos rêves. Nous devenons nous-mêmes un homme oint quand nous nous retrouvons dans le temple invisible, une fois tous les 1000 ans. Alors surgit un être incarné, et quand il arrive, notre silence devient chant. Mais nous ne prêtons pas l'oreille pour écouter, ni n'ouvrons l'œil pour voir. Jésus le Nazaréen est né et a été élevé comme nous. Sa mère et son père étaient comme les nôtres. C'était un homme. Mais le Christ, le Verbe, qui était au commencement,
l'Esprit qui veut que nous vivions notre vie dans toute sa plénitude, s'est joint à Jésus et est resté avec lui. L'Esprit était la main leste du Seigneur et Jésus était l'harpe. L'Esprit était le psaume et Jésus en était la mélodie. Jésus, l'homme de Nazareth, était l'hôte et le porte-voix du Christ, qui marchait avec nous sous le soleil et nous appelait ses amis. Ces jours-là, les collines et les vallées de Galilée n'entendaient que sa voix. J'étais alors un jeune homme. Je suivais sa route et je marchais dans ses pas. Je marchais dans ses pas et suivais sa route pour entendre les paroles du Christ des lèvres de Jésus de Galilée. À présent, vous voulez savoir pourquoi certains d'entre nous l'appelaient le Fils de l'homme. Il souhaitait lui-même être appelé ainsi, car il connaissait la faim et la soif de l'homme et admirait l'homme en quête de son être suprême. Le Fils de l'homme était le Christ plein de grâce, qui voulait être avec nous tous. Il était Jésus le Nazaréen qui menait ses frères vers loin, vers le Verbe qui était avec Dieu au commencement. Dans mon cœur habite Jésus de Galilée, l'homme supérieur à tous les hommes. Le poète qui fait des poètes de nous tous, l'esprit qui frappe à notre porte et nous invite à nous réveiller, à nous lever et à partir à la rencontre de la vérité nue et libre. C'est l'été dernier que trois hommes et lui ont emprunté pour la première fois cette route là-bas. C'était le soir, il s'arrêta et resta là au bout du pré. Je jouais de la flûte et mon troupeau paissait tout autour de moi. Quand il s'est arrêté, je me suis levée, j'ai marché à sa rencontre et je me suis tenue devant lui. Il m'a demandé « Où est la tombe d'Élie ? Elle n'est pas par ici ?» Je lui ai répondu « Elle est là, maître. » Sous ce monticule de pierres. Jusqu'à ce jour, chaque passant apporte une pierre et la pose sur le tas. Il m'a remercié et a poursuivi son chemin, suivi de ses amis. Trois jours plus tard, Gamaliel, qui était berger lui aussi, me dit que cet homme qui était passé par ici était un prophète de Judée, mais je ne l'ai pas cru. J'ai néanmoins songé à cet homme plus d'une nuit. Quand le printemps est revenu, Jésus est passé une fois encore près de ce pré. Cette fois, il était seul. Je ne jouais pas de flûte ce jour-là, car j'avais perdu une brebis. J'étais affligé et mon cœur était meurtri. Je me suis avancé et me suis arrêté devant lui, car je souhaitais être réconforté. Il m'a regardé et a dit « Tu ne joues pas de flûte aujourd'hui. D'où vient cette tristesse dans tes yeux ? » Et je lui ai répondu, « J'ai perdu une de mes brebis. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas quoi faire. » Il garda le silence un instant. Puis il me sourit et dit, « Attends-moi ici un moment et je retrouverai ta brebis. » Il s'éloigna et disparut dans les collines. Une heure plus tard, il est revenu et ma brebis marchait juste derrière lui. Lorsqu'il arriva devant moi, la brebis scrutait son visage de la même manière que moi. J'embrassai ma bête de joie. Il posa la main sur mon épaule et dit « À compter de ce jour,
tu aimeras cette brebis plus que toutes les autres de ton troupeau, car elle était perdue et à présent elle est retrouvée. » J'embrassai à nouveau ma brebis de joie. Elle se blottit contre moi et je restai silencieux. Mais quand je levai la tête pour le remercier, Jésus marchait déjà au loin et je n'eus pas le courage de le suivre. Vous aimeriez connaître le message principal de Jésus, et je m'en vais vous le dire. Mais personne ne peut toucher de ses doigts la vie du vin béni, ni voir la sève qui nourrit les branches. Et bien que j'aie mangé de son raisin et goûté de son vin nouveau au pressoir, je ne puis tout vous révéler. Je ne puis vous relater que ce que je sais de lui. Notre Maître bien-aimé ne vécut que 3 saisons de prophétie. Elles furent le printemps de son chant, l'été de son extase et l'automne de sa passion. Et chaque saison durait 1 millier d'années. Le printemps de son chant s'écoula en Galilée. C'est là qu'il réunissait ses disciples autour de lui. Et ce fut sur les rives du lac bleu qu'il parla pour la première fois du Père, de notre délivrance et de notre liberté. Sur les bords du lac de Galilée, nous nous sommes perdus pour trouver notre route jusqu'au Père. Et si infime qu'elle soit, cette perte se transforma en un immense gain. Ce fut là que les anges chantèrent à nos oreilles et nous invitèrent à quitter les terres arides pour le jardin des désirs du cœur. Il parla de champs et de verts pâturages, des versants du Liban où les lys blancs ne se soucient pas des caravanes qui passent dans la poussière de la vallée. Il parla de la bruyère sauvage qui sourit au soleil et confie son encens à la brise de passage. Il dit : le lys et la bruyère ne vivent qu'un jour, mais ce jour est l'éternité vécue en toute liberté. Un soir que nous étions assis au bord d'un ruisseau, il nous dit : regardez ce cours d'eau et écoutez sa musique. Il cherchera éternellement la mer, et bien qu'il soit toujours en quête, il chante son mystère de crépuscule en crépuscule. Puissiez-vous chercher le Père comme le ruisseau cherche la mer. Puis vint l'été de son extase, et son amour brûlait en nous avec l'ardeur de juin. Il ne parla que du prochain, le voisin, le compagnon de route, l'étranger et l'ami d'enfance. Il parla du voyageur qui va de l'Orient jusqu'en Égypte, du laboureur qui rentre chez lui avec ses bœufs le soir venu, de l'hôte de hasard que le crépuscule a conduit à notre porte. Et il disait : votre prochain est votre moi inconnu rendu visible. Son visage se reflète dans vos eaux calmes, et si vous regardez dedans, vous y verrez votre propre visage. Si vous tendez l'oreille la nuit, vous l'entendrez parler, et ses mots seront les battements de votre cœur. Soyez pour lui ce que vous voudriez qu'il soit avec vous. Telle est ma loi. Je vous la révèle, ainsi qu'à vos enfants, qui la transmettront à leurs enfants jusqu'à la nuit des temps et des générations. Un autre jour, il déclara : vous ne serez pas seul. Vous vivez dans les actes des autres,
et bien qu'ils l'ignorent, ceux-ci sont avec vous tout au long de vos jours. Ils ne commettent pas de crime sans que votre main accompagne la leur. Ils ne tombent pas sans que vous tombiez aussi, et ils ne se relèvent pas sans que vous vous releviez avec eux. La route qui les mène au sanctuaire est votre route. Et quand ils cherchent le désert, vous cherchez aussi avec eux. Votre prochain et vous êtes deux graines semées dans le champ. Vous poussez ensemble et ondulez sous le vent. Aucun de vous ne revendiquera le champ, car une graine en pleine croissance ne réclame même pas sa propre extase. Aujourd'hui, je suis avec vous. Demain, j'irai vers l'ouest. Mais où que j'aille, je vous dis que votre prochain est votre moi inconnu rendu visible. Cherchez-le avec amour afin de pouvoir vous connaître vous-même, car ce n'est que dans ce savoir que vous deviendrez mes frères. Puis vint l'automne de sa passion. Il nous parla de liberté, comme il l'avait fait en Galilée au printemps de son chant. Mais à présent, ses mots cherchaient les tréfonds de notre intelligence. Il parla des feuilles qui ne chantent que quand le vent souffle dessus, et de l'homme comme d'une coupe remplie par un ange pour étancher la soif d'un autre ange. Mais que la coupe soit pleine ou vide, elle restera cristalline sur la table du Très-Haut. Il a dit, « Vous êtes la coupe et vous êtes le vin. Buvez de vous-même jusqu'à la lie. Ou bien souvenez-vous de moi et vous serez désaltérés. » C'était un poète. Il regardait et nos yeux voyaient. Il écoutait et nos oreilles entendaient. Nos mots silencieux prenaient vie sur ses lèvres et ses doigts touchaient ce que nous ne pouvions sentir. De son cœur s'envolaient des nuées d'oiseaux radieux vers le nord et le sud. Et les petites fleurs des versants des collines soutenaient ses pas vers les cieux. Souvent, je l'ai vu se pencher pour effleurer les brins d'herbe. Et dans mon cœur, je l'ai entendu dire « Petite chose verte, vous serez avec moi dans mon royaume, de même que les chênes de Bessane et les cèdres du Liban. » Il aimait tout ce qui est beau, le visage triste des enfants, la myrrhe et l'encens du sud. Il aimait une grenade ou une coupe de vin offerte avec bonté, peu importe que ce fût par un étranger à l'auberge ou par un riche hôte. Et il aimait les fleurs de l'amandier. Je l'ai vu les ramasser dans ses mains et couvrir son visage avec leurs pétales, comme s'il voulait étreindre de son amour tous les arbres du monde. Il connaissait la mer et les cieux, et il parlait de perles dont l'éclat dépasse la lumière que nous connaissons et d'étoiles qui brillent par-delà nos nuits. Il connaissait les montagnes comme les connaissent les aigles et les vallées comme les connaissent torrents et ruisseaux. Et il y avait un désert dans son silence et un jardin dans son discours. Oui, c'était un poète dont le cœur habitait une chaumière sur d'inaccessibles hauteurs. Et ses chants, bien que chanté par nos oreilles, l'était pour d'autres aussi,
et pour des hommes dans un autre pays où la vie est éternelle jeunesse et le temps une aube perpétuelle. Autrefois, je me considérais moi-même comme un poète, mais quand je me suis trouvé en sa présence à Béthanie, j'ai su ce que c'était que de tenir un instrument à une seule corde devant celui qui maîtrise tous les instruments. Car dans sa voix, il y avait le rire du tonnerre, les larmes de la pluie et la danse joyeuse des arbres dans le vent. Depuis, je sais que ma lyre n'a qu'une corde et que ma voix ne tisse ni les souvenirs d'hier, ni les espoirs de demain. J'ai mis ma lyre de côté et j'ai gardé le silence. Mais, au crépuscule, je tends l'oreille et j'écoute le poète qui est le souverain de tous les poètes. Quand il était parmi nous, il nous regardait, nous et notre monde, avec des yeux émerveillés, car ses yeux n'étaient pas recouverts par le voile des années, et tout ce qu'il voyait était clarté à la lumière de sa jeunesse. Bien qu'il connût la profondeur de la beauté, il était toujours surpris par sa paix et sa majesté. Il regardait la terre comme le premier homme avait regardé le premier jour. Nous, dont les sens se sont émoussés, nous regardons en plein jour et pourtant nous ne voyons pas. Nous tendons l'oreille, mais nous n'entendons pas. Et nous avançons la main, mais nous ne touchons pas. Et bien que tout l'encens d'Arabie soit brûlé, nous poursuivons notre chemin sans rien sentir. Nous ne voyons pas le laboureur revenant de son champ à la tombée du jour, ni n'entendons la flûte du berger quand il fait rentrer son troupeau. Nous n'ouvrons pas les bras pour étreindre le crépuscule, et nos narines ne cherchent plus le parfum des roses de Saron. Non, nous n'honorons pas les rois sans royaume et n'entendons la mélodie des harpes, sauf quand les cordes sont pincées entre les doigts. Nous ne voyons pas un enfant jouer dans notre oliveraie comme s'il était lui-même un jeune olivier. Et tous les mots ont besoin de naître sur des lèvres de chair, sinon nous nous considérons comme sourds-muets. En vérité, nous regardons, mais nous ne voyons pas. Nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Nous mangeons et buvons, mais nous ne savourons pas. Et c'est là la différence entre Jésus de Nazareth et nous. Ses sens étaient continuellement renouvelés. Et le monde était toujours pour lui un monde nouveau. Pour lui, les balbutiements d'un bébé n'étaient rien moins que le cri de toute l'humanité, alors que pour nous, ce ne sont que des balbutiements. Pour lui, la racine d'un bouton d'or était une aspiration vers Dieu, alors que pour nous, ce n'est qu'une racine. Sa bouche était comme le cœur d'une grenade, et les ombres dans ses yeux étaient insondables. Il était tendre, comme un homme conscient de sa force. Dans mes rêves,
Je voyais les rois de la terre se tenir dans une crainte révérentielle en sa présence. Je voudrais parler de son visage, mais comment faire? Il était comme la nuit sans ténèbres, et comme le jour sans le tumulte de la journée. C'était un visage à la fois triste et joyeux. Et je me souviens de cette fois où il leva la main au ciel et où ses doigts écartés étaient pareils aux branches d'un orme. Je me souviens de lui arpentant le soir. Il ne marchait pas. Il était lui-même une route au-dessus de la route. Pareil à un nuage au-dessus de la terre qui descendrait pour la rafraîchir. Mais quand je me trouvais en sa présence et que je lui parlais, c'était un homme dont le visage impressionnait. Et il me dit : « Que veux-tu, Myriam ?» Je ne lui répondis pas, mais mes ailes enveloppèrent mon secret. Et je m'en trouvais réchauffée. Et parce que je ne pouvais plus supporter sa lumière, je me détournais et m'éloignais. Non pas de honte, mais de timidité. Je voulais être seule, avec ses doigts sur les cordes de mon cœur.